assassiné avec Jean-Baptiste. C'est malheureux. Ils font quoi? Vous êtes des pigrages. On vous utilise comme des papiers hygiéniques à paysage. Pour tuer les innocents, pour massacrer mon peuple. Madame Idem Lali, voilà. Et à la population canadienne. Aujourd'hui, le Canada marche sous la tutelle des États-Unis pour venir coloniser mon peuple. Nous dénonçons l'infantilisation de notre police nationale. Regardez une police nazifiée. Les policiers ont toujours peur pour massacrer le peuple. Ils sont incapables de déloger les gangs. Vous êtes des Haïtiens ou des Américains ou des Canadiens pauvres à peau noire. Nous dénonçons la tutelle de notre police nationale. Voilà pourquoi vous avez assassiné Jean-Baptiste. Vous croyez que tuer nos militants, c'est ça qui va arrêter la bataille contre vous. Vous ne comprenez rien. Notre police nationale, nous pouvons dans la vie d'Haïti. Laissez-nous tranquille. Les États-Unis n'ont pas de démocratie. Le Canada n'a pas de démocratie. Ils ont massacré la lignée. Ils ont financé le terrorisme au Sahel. Ils ont créé le terrorisme, le chaos en Afrique, pour déstabiliser la population africaine. Ce qui se passe en Haïti, nous ne pouvons plus nous contenter à regarder ce qui se passe chez nous. Non à la gangsterisation. Barbecue a financé par qui? La mensonge a financé par qui? Iso a financé par qui? Est-ce qu'on a une police nationale haïtienne? Une police nationale américaine. Je ne comprends rien. Voilà les questions fondamentales que nous devons nous poser. La guerre en Haïti, répond. La guerre qui provoque cette guerre. La guerre. On a besoin d'une alternative. On a besoin de coopération. On est très précis. On est très précis. On a besoin de coopération constructive, saine, transparente. Là où la jeunesse haïtienne peut discuter. Là, nous, on a notre mot à dire. Pas avec des sous-préfets, pas des fondeurs de pays, pas des fondeurs de peuple. Ariel Henry, un sous-préfet, il est un fondeur de pays. Cette police protège les multinationales. Vous n'avez pas honte? On vous utilise pour massacrer des personnes sans défense. Il n'y a pas plus large que les policiers ici. Vous êtes des plus lâches. Vous êtes des plus lâches. Vous êtes incapables de déloger les camps. Mais vous êtes prêts pour massacrer des personnes sans défense, des militants, vos mamans. Haïti n'est pas votre mère. Haïti n'est pas votre mère. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce qui va vous arriver. Les multinationales américaines, vous allez connaître l'enfer en Haïti. Si vous voulez, voilà, préparer, vous commencez la Troisième Guerre mondiale, vous ferez ce qui va vous arriver. Respectez mon peuple, la mère de la liberté. Le Canada aujourd'hui qui nous insulte, le Canada est une province anglaise. Le Canada marche sous la tutelle de la politique étrangère des États-Unis. Que le Canada, voilà, a géré le problème de fantilisation chez lui. Vous n'avez pas de démocratie. Vous n'avez pas de démocratie. Cessez de nous donner la leçon de démocratie. Le terrorisme, c'est vous. La gangsterisation, c'est vous. Les crimes de gangsterisation en Haïti, c'est vous. Tout est privatisé dans mon pays aujourd'hui. L'eau est privatisée. Regarde nos hôpitaux, il faudrait mourir. Aujourd'hui, c'est paradoxal. Je sais pourquoi. Toutes ces guerres, c'est parce que nous avons une terre riche. On a de l'or, l'hélium pour envoyer des fusées dans l'espace. Les États-Unis, le Canada, ils sont des complotistes. Ils partagent le gâteau entre eux sans nous demander, sans nous consulter. Nous disons non. Non au néocolonialisme. Non à la politique étrangère extrémiste. Vive l'autonomie, détermination des peuples. On veut être libre. Haïti est un pays libre.
Ça nous recevons de la libération dans le monde. Respectez-nous. Respectez-nous. Respectez mon peuple. Respectez la jeunesse haïtienne. Voilà pourquoi nous réduisons le drapeau russe. Pas parce qu'on veut être notre colonisateur. Mais le drapeau russe représente un symbole contre l'oligarchie occidentale. On n'est pas contre le peuple américain. On n'est pas contre la population canadienne. Nous luttons contre l'ingérence occidentale, contre les multinationales qui font que tuer nos populations. Vous avez assassiné Jean-Baptiste. C'est malheureux. Ils font quoi? Vous êtes des pigs lâches. On vous utilise comme des papiers hygiéniques à paysage. Pour tuer les innocents, pour massacrer mon peuple. Madame Itemlali, voilà. Il faut trouver d'autres alternatives. On veut d'autres partenariats. Des partenariats constructifs. Est-ce que vous entendez les pays occidentaux? On veut d'autres partenariats. Des partenariats constructifs. Parce qu'on veut. On veut des suicides. On veut des universités. On veut des écoles technologiques. Nous aussi, on veut aller en avant. On veut monter dans l'espace. Nous aussi. Ce qui est bon pour les autres, pour Biden, doit être bon pour nous. Qui a assassiné notre président chez nous? Le président a été tué par la CIA. Regardez-vous, pas de pauvre minable. Changez, changez-vous. La sécurité haïtienne est planifiée. C'est de l'hypocrisie canadienne et américaine. La guerre civile dans le business. On ne veut pas les gérer français aussi chez nous. On veut des partenariats avec vos entrepreneurs et vos entrepreneuses, mais pas des partenariats militaires. Vous n'avez pas de solution. Parce que la guerre en Haïti, c'est vous. Les massacres en Haïti, c'est vous. Ce n'est pas barbecue le problème. Ce n'est pas le mensonge le problème. Ce n'est pas ailleurs le problème. Le problème, c'est les États-Unis. Moi, je ne suis pas anti-américain. Parce que mes parents étaient participés à la libération américaine. Les Américains ne sont pas plus américains que moi. Cessez de nous infantiliser. Cessez de nous utiliser. Cessez de nous prendre pour des imbéciles. L'abîme de la guerre civile en nous, ça se prépare. C'est le complot des États-Unis, le Canada, la France. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Nous dénonçons l'infantilisation de notre police nationale. Nous promotons la médaille. Voilà pourquoi vous avez massacré Jean-Baptiste. Regardez-vous. Vous êtes de la merde. Vous n'êtes pas des soldats. Vous êtes des pillages. Les enfants de 6 ans peuvent peser les gâchettes. Oui. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous défendez les multinationales américaines. Vous tuez la population haïtienne pour l'intérêt des multinationales. On est clair dans nos demandes, n'est-ce pas? On est très clair. On veut des partenariats constructifs. Voilà. La politique des États-Unis en Haïti n'est pas le bon. Non à la politique étrangère des États-Unis. En Haïti, tout est privatisé. L'eau est privatisée. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Ah ben, le néocolonialisme. Merci à Nathalie Yamb. Merci à Kémi Séba. Merci à Egouti Béhézé. Merci à Kémi Séba. Non à l'échéance américaine en Haïti. Non à la tutelle de la police nationale d'Haïti. Voilà. On est contre l'ingérence. Contre l'ingérence américaine. Non. Au terrorisme au Sahel. Voilà. Que nos chefs d'État nous rendent compte. Que nos chefs d'État nous rendent compte. Qu'ils ne sont pas obligés d'aller vous rendre compte. Pour se donner une certaine légitimité. Comme Biden est d'accord avec moi. Comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Voilà. Vive l'autodétermination des peuples.
Liberté de nous organiser. Liberté de prendre des décisions par nous-mêmes. On ne veut pas la tutelle. Nous dénonçons la tutelle. Nous dénonçons l'infantilisation d'Haïti. Que les États-Unis, que les Américains nous respectent. Le Canada n'a pas de hiérarchie. Nos ancêtres ont été signés pour que le Canada devienne un État fédéral. Aujourd'hui, regardez le Canada. Le Canada marche sous la tutelle des États-Unis. Le Canada se considère comme une province anglaise. Que le Canada aille régler le problème de l'infantilisation chez lui. Voilà ce qu'on veut. C'est l'autodétermination des peuples. Haïti a besoin d'autres alternatives. Haïti a besoin d'autres alternatives, d'autres coopérations, des coopérations constructives. Là où la jeunesse haïtienne peut discuter, là, nous, on a notre mot à dire. Non à la politique étrangère des États-Unis en Haïti. D'où viennent ces armes-là? D'où viennent ces armes? On nous parle de la guerre en Haïti. Lesquels qui provoquent cette guerre-là? Lesquels qui provoquent cette guerre-là? Lesquels? Les crimes de gangstérisation sont financés par les États-Unis et le Canada. Vous n'avez pas de solution. On veut des partenariats avec vos techniciens, vos scientifistes, mais pas vos militaires. On veut des coopérations pour reconstruire notre pays. Des coopérations constructives pour construire des universités chez nous, pour construire des usines, pour développer. On veut des routes transnationales chez nous. On veut des routes transnationales. Respectez mon peuple. Haïti, le symbole de la liberté pour toutes les nations du monde. Respectez mon peuple. Respectez la jeunesse haïtienne. Respectez. Nous exigeons que le Canada et les États-Unis qui sont défossilisés, mon pays, non à la politique étrangère extrémiste. Non à l'échéance occidentale en Haïti. On veut des partenariats constructifs. On veut des partenariats constructifs. On ne veut pas la gangstérisation. Non à la politique étrangère extrémiste. Au nom de Gouferaille, au nom de Tempalawedo, au nom de notre sauveur Jacques Dessalines, nous dénonçons la tutelle de notre police nationale d'Haïti. On veut une police pour protéger le peuple.